On va aller se manger un morceau avec Nono et Gigi et ensuite on trace récupérer Kenan. Et après on verra ce qu'on fera, on les emmènera jouer, on va voir. L'objectif là c'est de manger un peu correctement aussi ce midi, mais l'endroit auquel on va, il y a trop de tentations, il y a trop de grillades, il y a trop de viande. Comment je vais faire pour pas flancher? Midi, des petits pickles à la syrienne, un petit jus mangue et fraise, il passe très bien. Et cette salade elle est excellente, c'est noix, avocat et salade avec des petits raisins secs. Il y en a une qui a bien guéri, hein. Je suis bien drôle avec ma salade. Bon, il a pris des grillades de poulet, mais je vais un peu taper avec lui. Et il a pris des pizzas, je vais en manger une. Tout ceci, c'est de ta faute. Mais en temps normal, j'aurais pris une viande, moi aussi. Et en vrai, ça me suffit. Regarde, si je prends ça, salade, petit morceau de poulet, tamdoule. Et est-ce que vous connaissez ça? Les piments avec le jus dedans. C'est des pickles, je me régale avec ça. C'est trop bon. Je viens de trouver une épicerie turque. Du coup, je vous montre. Elle a Jumeira. Nono, regardez ce qu'il a pris. La fameuse glace, vous savez qu'on met dans les baklava turcs. Elle est excellente, moi j'aime beaucoup la glace turque. J'ai aussi pris des simites. C'est surgelé, mais ça, ben, avec des œufs et du fromage, tu en sors un, ton congèle, t'es bien. Et franchement, il y a pas mal de choses, hein. Ah, le vinaigre de la mélasse, ouais, ouais, en fait, de grenade. La salade comme on aime. Ben oui, et regarde, il y a le boulgour, le fameux riz pilaf. Trop bien. Pour les enfants, prends les trucs. J'ai trouvé carrément les pickles de chou. C'est ma passion, ça. La dernière fois que je l'ai pris, c'était à Marseille. Et je suis contente aussi parce qu'il y a la fameuse pâte de poivron avec laquelle je cuisine. Et ça, j'avais du mal à trouver à Dubaï. Il y a mon plus beau sac. Et on va emmener les petits s'amuser. Demain, il n'y a pas l'école. Ils ont plus d'énergie que Nono et moi. Allez, go. C'est le week-end qui commence, hein. Nono, il veut qu'on s'arrête manger ici avec les enfants. Burger, sushi, milkshake, tout ce qu'on aime. T'as dit quoi? Maintenant, quand je demande à mes enfants qu'est-ce que vous voulez manger, ils me répondent. Mais qu'est-ce que... Tu grattais l'amitié, donc j'ai dû interrompre la vidéo. Elle s'est incrustée à une table. Mais ici, ce resto, d'ailleurs, il est sympa. Si vous venez en famille avec les enfants, regardez le menu enfant, ils peuvent dessiner dessus. Il y a de la musique. Là, par exemple, Kenan, il vient de recevoir ses pâtes. Ils l'ont remis dans Batman. Et vous allez voir ce que j'ai commandé à Adria. Tiens, mon amour. Wow, tiens, mon fils. C'est que pour Kenan et qu'Adria va manger à la rive. Regardez ce que j'ai pris pour ma fille. C'est qui, Didi? Oh, ça, je vous ai dit, pour les enfants, c'est mignon ici. Tout fait, ça se régale du coup. Et de notre côté aussi, j'ai pris des sushis, pâtes de sushis. Hein. Moi, je me suis pris un ice tea à la pêche. Il est fait maison. Elle est bonne ta glace? Et toi, Kenan, elle est bonne ta glace? Elle est à quoi? Ouais. Et toi, Nono? Moi, mon milkshake à la pistache. Et toi, Cam? Mon chocolat chaud. Que tu vas demander de refaire parce qu'il est trop chocolaté. Je crois bien. Incroyable ici. Mon chocolat, il était imbuvable. Beaucoup trop fort en chocolat. Regardez ce qu'ils m'ont amené. Et au moins, je me le dose moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est juste une façon polie de te dire débrouille-toi, quoi. Démerde-toi. Mais ça me va. Voilà, regardez. Hop. Il y a trop là. Voilà, non, là, c'est bon. Mais le chocolat, il mange avec le sucre déjà, t'as vu? Ouais, j'aime bien. C'est comme le banouten. Ouais,
Ouais, chérie. Oh, le rouge à lèvres. Nono regarde Kenan comme il mange très proprement. Et Gigi aussi, il s'approche bien du verre et renverse pas comme maman elle aura appris. Et ma vie. Tu dis allez papa, réveille-toi. On t'attend. Kenan, maman, Kenan, il a même le sou-sou comme maman. Et bien sûr, on attache les cheveux et on dit papa, debout. Tu dis allez papa, tu me manques, réveille-toi. Oh. Papa, debout. Oh. Et que ça saute. Allez, bisous, babe. Le croissant, la clémentine et la pomme. Super. Maman, oui. Maman. Oui. T'as renversé? Non. C'est pas grave. T'inquiète pas. Bon, on est sur la route, là. On part en vadrouille avec ma petite famille, direction le parc d'attractions. Parce que mes enfants, toute la semaine, ils m'ont rabâché que ça. Manège, manège. Donc, on leur avait promis qu'on les amènerait aujourd'hui. La dernière fois qu'on a été à ce parc, d'ailleurs, c'était l'année dernière. Et je vous le conseille pour les familles. C'est sympa parce qu'il y a Shrek, Madagascar, les Schtroumpfs. Il y a plein de petits manèges, plein de zones pour jouer. Donc, c'est très sympa. Du coup, voilà, direction ce parc-là aujourd'hui. On y passe la journée. Et puis, il fait chaud d'ailleurs. Donc là, c'est un parc